Bonjour tout le monde, m'ap salye nou. I want to say hi to everybody watching the show tonight. The fifth edition, the fifth episode of the Innovation Zone. M'ap salye tout le monde, m'ap salye nou. Et nous sous cinquième épisode Innovation Zone. Et là, à soya, thème nan, c'est sac metaverse. Nan. What is the metaverse? C'est ça nous parle à soya. Et pour ça, nous gagnons des invités de marque. Nous gagnons et des experts de gadi dans le domaine qui ont même pral passer une heure avec nous pour yo capable partager expérience yo pour yo capable partager qui ça metaverse là et pour capable expliquer nous le futur et le présent son combinaison des deux son monde alternatif digital qui rentre dans le quotidien et metaverse là li déjà là et nous pral bay plusieurs exemples qui pral expliquer nous. Et nous avons souhaité que dans la fin de l'émission, nous avons plusieurs autres choses qui pour expliquer nous. Mais nous-mêmes qui avons gardé nous à ce là, ok? Sur Facebook, sur YouTube, sur channel YouTube, nous profitez de nous, enregistrez-nous sur channel YouTube là, pour nous capables de prendre à l'air chaque fois qu'on show. Nous allons comprendre mieux qui ça qui met à verse là. Pour qui ça a fait. Nous allons comprendre le concept Internet 3.0, Internet ça et Internet 3D. Parce que c'est un monde digital à travers des avatars, à travers un monde de réalité augmentée et de réalité virtuelle sur plusieurs plateformes qui viennent intégrer dans une et puis qui viennent bailler ça relé un monde digital alternatif qui métavers là. Donc métavers là il prend origine depuis plus que une quarantaine d'années. Et la suivre, ça y aurait un roadmap de métavers qui était fait dans le sommet, ok, en 2006, qui était bah toute étape qui vous était suivie. Et je ne veux dire à nous que qu'on équipe de gros compagnies à travers le monde, que ce soit et par exemple Facebook qui là nous gagne Fritcher là avec nous à ce qui va l'expliquer nous, parce que il travaille lui-même pour Facebook, il va l'expliquer nous pour chaque compagnie ça gagne, parce que c'est le leader dans question réalité alternative, réalité digitale là et ce monde alternatif. Bien entendu, pour nous capable rentrer dans monde ça, OK, nous besoin eh bien ça relé on lunettes. Il y a développé des lunettes, il y a des lunettes qui existaient déjà, ça relé des goggles, OK, gien qui Oculus, gien qui plusieurs l'autre marque, eh bien c'est à partir de ça qu'on capable rentrer dans monde alternatif là. Et nous parlons que il y a des concerts qui fait déjà et sous et réalité digitale alternative là qui est le métaverse là. Donc sans pas perdre trop de temps, m'a introduit nous et encore une fois co-host qui c'est docteur Naomi Blémio. Salut Naomi, comment est-ce aujourd'hui? Moi très bien monsieur Lamotte, n'a salut tout le monde qui branché. M'a nous m'a dans Naomi qui est au sous mute. Est-ce que vous allez me connaître? Vous t'en aimez bien? Yes. Ok, nous saluons tout le monde qui branche. Nous saluons Monsieur Lamotte. Et c'est vraiment un plaisir pour moi là à soir to discuss Metaverse. Pas vrai? Et just like me, parce que quand tout le monde qui a demandé qui ça qui Metaverse, qui ça qui la donne, pour qui ça a un gros buzz, right? Around it. Et puis à soir, je pense que tout expert que nous gardons nous, à soi, yo pral vin di nou exactement qui ça lié et qui expérience yo gen avec. First and foremost, n'a introduit avec nous monsieur Alain Craig Bayard, President CEO of Access Haiti, telecom operator. He is also the president of Télé Haïti, Haiti's first and only cable television company. He's the CEO of HTV, Haiti Telecom Ventures. Vice President of AAHTIC Association.
Haitian Association Haïtienne des Technologies de l'Information et de la Communication, Association of ICT in Haiti. Allen graduated from the State University of New York at Stony Brook with a degree in business management and human resources and a minor in computer programming. After graduating, Allen moved back to Haiti for several years, worked as an executive and later a partner in contract manufacturing. In 2000, he co-founded what is today Access Haiti, now Haiti's largest internet service provider, and now serve as president and CEO. And there's so much more that we can share about Mr. Balao, but we're going to hear from him directly. Also, we have with us tonight, Mr. Patrice Germain. Patrice has used his skills as a super connector and relationship builder to craft messages that inspire and energize sales organizations to drive referrals for results. His passion is in connecting with influencers from all backgrounds. He lives by this quote, which pushes him to continuously grow his network and build new relationships. You can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. And that is from Zig Ziglar. Patrice also has a passion for giving back, which stems from his upbringing in Haiti, where he was taught to value life and that uplifting your community is the most rewarding thing in life. His philanthropic efforts include raising money in partnership with the Rotary Club for the Gift of Life, which provides heart surgeries for disadvantaged children. In his spare time, Patrice enjoys cooking, fashion, the arts, traveling, volunteering, and mentoring. Last but not least, we have no stranger to the innovation platform, Mr. Fritz Charles, a Wharton Business School graduate. He's a product manager at Instagram, crypto researcher, and an investor. Welcome, guys. How are you this evening? Donc ça n'a pas et n'a remis remercier ou nous bral déraper avec question yo et mais nous te préparons une petite vidéo parce que bah metaverse là tellement compliqué que nous préparons une petite vidéo de 3 minutes qui pour mettre dans bain ensuite après ça n'a déraper avec question donc là nous gain une image de toutes les gens là qui sur écran de tout expert qui peut répondre à une question, qui peut expliquer nous, qui peut mettre nous, qui peut mettre nous à jour. Parce que l'important important pour mettre nous à jour sous qui ça met à faire. Donc, même, nous allons déraper avec une petite vidéo de quelques minutes en français. OK? Et puis, nous allons entrer dans le débat. Culture G. Cultivez votre curiosité. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Je suis fier d'annoncer que notre entreprise se nomme désormais Meta. Ces mots, ils ont été prononcés par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, fin octobre. Le réseau social s'appellera toujours Facebook, mais le géant du numérique qui se trouve derrière et qui possède aussi notamment Instagram, WhatsApp et Oculus se nomme désormais Meta, une référence au métaverse ou métavers en bon français. Qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Le métavers, contraction de méta-univers, c'est un rêve pour de nombreux fans de jeux vidéo. Ça serait un univers virtuel, entièrement numérique, mais connecté au monde réel. Vous avez peut-être vu le film Ready Player One de Steven Spielberg, sorti en 2018. On y découvre un futur pas si lointain, où il est possible de plonger dans un monde numérique parallèle en enfilant un casque de réalité virtuelle. Et bien pour les géants de la tech, dont Facebook et Microsoft en tête, c'est l'avenir. Un univers entièrement virtuel. Concrètement, dans le métavers que développe Facebook, on pourra bientôt se créer une maison virtuelle, un monde sans autre limite que celle de la technologie et de notre imagination. Dans cet univers virtuel, en tout cas, on pourra sortir ensemble, jouer, discuter, danser, voyager et travailler en équipe, même en vivant à des milliers de kilomètres de distance.
Et bien sûr, on pourra vendre, acheter, consommer toujours plus. Ce métavers, il doit être immersif. C'est l'idée que l'on y évolue aussi naturellement que dans le monde réel, qu'on y marche, qu'on puisse toucher les choses, les sentir, les ressentir. Pour rendre cela possible, plusieurs solutions sont à l'étude. D'abord le tapis roulant pour se déplacer à l'infini, la combinaison recouverte de capteurs sensoriels pour simuler les contacts, et le casque de réalité virtuelle pour se plonger dans un univers 3D le plus réaliste possible. Dans ce domaine, des pas de géants ont déjà été franchis, les tout derniers modèles développés sont tout simplement hallucinants. Ils sont encore un peu lourds, autour de 500 grammes, mais cela pourrait évoluer rapidement. D'ailleurs, le métavers devrait être aussi accessible depuis de simples lunettes de vue à réalité augmentée. C'est le projet Nazaré, présenté aussi fin octobre par Mark Zuckerberg. Si ces lunettes ne sont pas encore prêtes, il a déclaré que Meta, ex-Facebook, faisait de gros progrès sur cette technologie. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Si tout cela vous inquiète un peu, soyez rassurés, le métavers n'est pas encore sur le point de débarquer et de s'imposer dans nos vies. C'est encore un rêve pour certains, ou un cauchemar pour d'autres. Même si, déjà, ces toutes premières versions sont accessibles. Ce sont les univers de certains jeux vidéo en ligne, comme Fortnite par exemple. Le rappeur américain Travis Scott en a fait la démonstration pendant le confinement d'avril 2020. Il a réuni près de 28 millions de personnes lors de concerts virtuels donnés via un avatar sur la plateforme. Une performance historique. Alors évidemment, il y a aussi le côté obscur du métavers, l'aspect écologique. Déployer cet univers numérique parallèle pourrait consommer des quantités phénoménales d'énergie, et c'est sans compter les ressources nécessaires pour les équipements. Enfin, soyons honnêtes, il y a peu de chances que ces préoccupations n'arrêtent dans leur course folle les géants du numérique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. S'il vous a intéressé, abonnez-vous à ce podcast. Et si vous souhaitez proposer une idée de sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 5 étoiles, un cœur ou un j'aime. À la semaine prochaine. Voilà. Et ben c'est que ça, ben non, mettez dans le bain. Ça mettez dans le bain. Donc là, nous gagnons. Ma profite rappeler nous que nous avons posé question. Donc tout le monde prépare question. Nous prenons pour une série de questions de météo sur l'écran pour que nous capables de déraper avec choix. Donc et Naomi Mkito avec introduction. Qui est vous voulez prendre en premier et puis pour nous capables de déraper dans question ça métavers là. Très bien, on va commencer avec Monsieur Bayard. Please share with us experience you avec Metaverse in this moment. Bon, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme dit, après introduction, ça n'a pas besoin de dire rien, je vais te aller après une belle introduction. Et bon, en termes d'expérience par rapport au travail que nous faisons qui c'est connecter mon parce que à la base faut qu'on a connecté pour qu'on monte sur métavers là. Expérience personnelle, mon cher, j'ai trois timons, j'ai trois petites filles et trois timons ça yo c'est des timons qui super connectés. Donc chaque petit moment m'a recevoir requête pour et papa acheter 800 Robux pour moi, papa acheter 200 Robux pour moi. Je dis, mais alors le bas, je dis, mais qui ça Roblox? Ça, c'est un Roblox. Alors, mon programme, vous pouvez dire les Roblox. Roblox, là, c'est une application que tu as sous téléphone, yo, qui, en quelque sorte, c'est un métavers, à la différence que vous n'avez pas joué le pounia avec les lunettes Oculus, là. Mais son bagage qui va venir très rapidement. Mais si vous avez déjà à vivre là, univers Roblox, hein? Côté, il y a construit kay et il y a un petit chien, il y a pas habillé, il y a même il y a peut-être rad sous yo. Enfin, il y a plein d'activités et pour yo ka utiliser, pour yo ka acheter des bagages, par exemple, yo fait kay yo, il y a visiter kay yo, l'autre, il y a kay zami, il y a jouer ensemble à travers application ça qui sous téléphone yo.
Et pour yon ka achete bay sa, c'est des sortes de avatar que yon gen. Yon besoin de kop pou sa. Donc, le monde virtuel sa, yon utilise sa rele Robux. Ok? Et, mais Robux la li même, n'a pas acheté la vraie kop. C'est bon l'argent. Donc, chaque fois que ti moun la di, papa m besoin 800 Robux. Mais 800 Robux a coûté 8,99$. Donc, c'est 8,99$. Bon l'argent. Kabete pou ke ti moun yo gen Robux pou yo ka achete bagay pou met sou avatar yo. Donc ti moun yo deja d'emblé lan bagay sa yo konn ki sa li pou viv nan univers deja. Et ta lwa nan pale de avatar et m pa konn si gen m su nou tout ki la nou wè film ki rele avatar la. Donc d'après mwen bagay sa bouje a on vitesse ke tôt ou tard nou pral rive nan sòt de moun de ce genre. Côté ou à contrôler un autre être ou bien à contrôler un corps qui quelque part d'autre sous l'autre terre quelconque. Donc on a parlé de monde virtuel là et tout ça c'est des bagages qui datent déjà de combien de plus de 20 ans. On a parlé de Ready Player One et la présentation qu'on fait, mais il y a des autres films depuis bien avant ça. T'as parlé avec Patrice de sa côté tegen film sa Demolition, what was it called, Patrice? Demolition Man? Demolition Man. Mm-hmm. Demolition Man, son depuis l'époque ça n'a pas longtemps qui date de 1998 côté moun yo déjà t'ap viv t'ap montre des bay dans le métavers là côté moun presque pas y a visiter des côtés c'est avec lunettes que yo gen sou yo et puis il a fait toute activité, il a visité des côtés, il a rencontré et yo même bagay grand monde bon pas comme si je pas rené la gueule va nous pas dit mais pour toi qui nous voulons que tout le monde comprenne que ça qu'il a aujourd'hui c'est pas aujourd'hui le vini ça veut dire on ça que te ba nous plusieurs avant-goût avant yo te vite mettre dehors d'emblée j'en lié là kounya c'est ça qui fait que ti moun yo déjà connaît ça lié ti moun yo gen tan konti moun di acclamé yo and they're ready to use them so Alain le m'pa konnen si c'est mesdames ou si c'est garçons mais le yo vini le yo mande yo pour acheter pour yo you know what is your what is you know how do you feel about it que ti moun a déjà intégré nan système nan et puis kounya la li vin pote l'argent. Bon, là au sens moi très important surtout la période que n'a vive là côté ti moun yo en confinement et avec Covid et autres. Donc ou vle que ti moun yo en quelque sorte ou activité mais en même temps tout faut venir comment pour balancer parce qu'on parle que ti moun a toute la journée devant écran tout mais en même temps tout le regarder si ti moun la t'a sorti t'a bien activité t'a dépenser beaucoup plus comme là pas d'activité. Donc non sens bien content parce que ça permet de interagir avec zanmi yo qui tout côté à travers le monde, gen ça qui la porte d'à côté, gen ça qui Miami, ça qui New York, ça différents côté et puis yo tout a interagir ensemble comme si yo une à côté l'autre. Yo même a parlé à une l'autre pendant yo sous application. Donc son bagay qui vraiment phénoménal. Moi même qui dans secteur ça m'a jamais suspendre impressionné avec ça développeur à faire et évolution technologie. Alors, on a parlé de on bagaille depuis email jusqu'à kounya donc son bon monde de différence mais son bagaille qui vraiment extraordinaire ça qu'a fait là et timounyo ça qui impressionné m'a bagaille ça c'est que lui fait naturellement la caille yo pas même bien réfléchi côté. Même moi, même qui l'a dans toute la journée, je vais pour réfléchir pour bien comprendre ça. Regardez, si vous avez cette trappe 2, vous allez comprendre la rapide. Très bien, merci. Alain, nous parler. Patrice Gervais, s'il vous plaît, dis-nous intégration dans Metaverse là, expliquez bien sûr actuellement. Yeah, absolutely. Thank you for your time, everyone. You know, the Metaverse is something that's been evolving
over the years. It's, you know, it did not happen overnight. You know, if you've been in the gaming industry or if you've played any games, you've seen that slow integration of connecting with, you know, you could be in New York connecting with somebody in Europe, and it so slowly has evolved. I'm very fortunate. I have the Oculus Quest. For those who are familiar with the Oculus Quest, it is a VR platform, and that's what the metaverse is. The VR virtual reality gives you a platform to basically have a second digital life, which is your avatar. And on the Oculus, it actually has a place called Venue where people could meet up and go to concerts, to see fights, like a UFC. So similar to what Alan's talking about for kids, but they have stuff also for adults. And Facebook has slowly been working on this for the last couple of years. And it's pretty cool because with some of the Facebook strategic partnerships, like in NASCAR and NBA, you could feel like you're in a front row seat at a game without paying the, you know, $5,000 price tag, and you're still able to communicate with your friends globally. You know, when you're inside the venue, you know, you're speaking to different avatars. You know, you have a whole second, you truly have a second, whole second life while communicating. So I think that concept is going to continue to grow. Is going to evolve in businesses for marketing opportunities, a way to be recognized, because like Alan just mentioned, his kids who range to different age, I believe Alan, your youngest is maybe 5-6 years old, is already part of the metaverse. So you can imagine how that's going to impact us the next 10 to 20 years. And I think that's why there's such a concentration, and the businesses or people that can get involved from an early stage, I think will benefit from that. Merci, Monsieur Gervais. So, in summary, literally, so ça veut dire ça que je cache ton ticket et puis qu'on y a là, m'entrer dans la chambre, ça nous est a room, and you have individuals from France, ou bien moun qui en Italie, ou bien moun, n'importe côté ou non monde là, mais nous tous venir pour nous garder un game, et où qui expérience ça, qui sentiment, do you literally feel like, oh my God, I'm actually watching a game, and is the excitement the same as you saw it? You know, the excitement is definitely there. I would say the excitement, you know, obviously it's a little different. You know, I'm not literally sitting next to a person, but the fact that, you know, I'm able to still communicate, and, you know, and the way Facebook has the platform set up, you know, if you choose to, sometimes people have that one annoying friend that won't stop talking during the game. It allows you to mute them. So you know, so you still have that experience. You know, it's just a different experience, but the excitement is for sure is still there. And I could see how that's going to evolve. And I can't wait to hear what Fritz has to say, since he actually, you know, he works under the Facebook umbrella about that. Thank you. You're welcome. Gervais. We're going to go right to our friend, Fritz Charles. Welcome, Fritz. Please tell us about your experience with Metaverse and what can we expect? Yeah, thank you. Thanks for having me. It's always a pleasure and honor to be part of this show. But yes, as mentioned, I work at Instagram, which is under the parent company Meta. And Meta is a renaming of the Facebook company, over which was announced only a few months ago. And as you can imagine, the company is really making a huge bet on Metaverse being the future of the world, to the point where they renamed the company. The company built Oculus, which is what Patrice just outlined. And they have a platform called Horizon Worlds, which is a platform for not only Facebook to build tools, but third parties to build tools. So I think one of the biggest opportunities for folks is that Metaverse is meant to be something that is open, is meant to be collaborative, as opposed to Web 2, which was a little bit closed. Everybody's encouraged to build on top of the Metaverse and collaborate that way. The Metaverse touches on so many things. So Alan really talked about gaming. I think gaming is going to be a huge use case.
And then Patrice talked about how people are socializing together at events that are digital. And there's other things, right? There's business that's going to be done in the metaverse, right? Where I can be in, I can feel like I'm going to be in a room. Instead of doing a Zoom where I'm just looking at screens, I could be in a room and we could whiteboard together. We can prototype together. There's also learning, right? So there's been examples, which was outlined by Metaverse when Mark Zuckerberg announced it, where you can, there's education. So, you know, if you're somebody that is learning, is a medical student and wants to learn how to do a surgery, you know, you can actually do a practice surgery in the Metaverse. And you could think that that's huge, right? But let's think about somebody that's in medical school in Haiti that could take a class with a Harvard med school professor, but they're in Port-au-Prince, so they're in OCAP right from there. So I think it's going to be an amazing way to democratize access, to connect the world, and really, really bring us forward. And so I'm really excited. But yes, Meta, the company, wants to be a leader on helping to drive that. Very bien. So we're going to send it right back to you, PM. Go right ahead. So, ça nous fait, nous avons besoin, pour les gens qui ne pas comprendre yo, et qui sont métavers là, et qui j'ai nous rentrer dans métavers là, et ça nous fait, c'est que nous devons préparer pour nous tout, pour nous montrer, nous, tout artiste, yo, musicien, yo. Par exemple, tu as parlé avec Roberto Stivice. Qui te gon idée, parce que nous-mêmes qui artistes, nous-mêmes qui dans diaspora, est-ce une bataille mais à un concert qui a fait sous métavers là? Eh bien, il y a un concert qui fait sous métavers là. Est-ce que nous te gon ça? Ça veut dire que blanc lui-même, il est en prendre devant. Blanc lui-même, il est en faire concert. Moun est en avatar ou moun est en rentrer dans concert. Alors, la différence, c'est que entre Internet actuel là et puis Internet nouveau Internet Cabral vini on leur a expliqué qui s'allie c'est comme sous tapement non monde qui ça Internet dans d'abralier dans les années 70 mon te gen ou pas de bon idée de qui ça d'abralier est-ce qu'on connaît que par exemple des gars commander un taxi ou te ka faire réservation hôtel faire réservation et voyage ou que sous téléphone ou est-ce que te connait te rend pour WhatsApp clique on ba et pour parler avec un monde en Afrique ou bien monde en Asie non pas de comme ça. Et mais c'est opportunité ça qu'Internet là bas aujourd'hui. Eh bien, Internet, ça, son Internet qu'on a gardé. Différence avec Metaverse là, c'est que son Internet, qu'on peut aller entrer là-dedans. Et qu'on peut participer dans l'action. So, par exemple, on peut aller faire régions, mettez un concert Travis Scott, ce que faire. Travis Scott fait un concert en dans Metaverse là. Et, ou même, ou pas aller pour te garder, mais ou te doit entrer en dans concert là. Qu'on doit participer et pour un grand concert là même genre avec Travis Scott. Donc l'idée c'est que nouveau forme internet là libéral permet tout non seulement et garder mais entrer en dedans et puis faire action en lui-même. Mais ça a son exemple un concert m'a demandé et agrandir écran en agrandir écran pour yo ka bien ouais. Yeah. OK. Donc, ça a son concert que Travis Scott fait sous Metaverse. Donc, ça a dit Metaverse, on va qui existe déjà. OK? Côté que, moun, gen 28 millions de moun qui ont un concert ça. Imaginez, 28 millions de moun qui ont un concert ça. Mais, ouais, ce n'est pas des moun qui ont un tribune ou qui ont un garde, c'est des moun qui ont un concert. Ça veut dire que acheté billet, ils ont un dan, et puis avec Travis Scott, un dan Metaverse là. Ouais. C'est le bail beaucoup de Travis Scott là. Monsieur Bral Barrett là. OK. Mais par musique, côté musique là. OK. Donc là, alors nous-mêmes qui regardé bala, nous-mêmes qui cap regardé choa, nous go naïf, nous cap haïtien, nous Jérémy, nous Jacques Mel, Port de Paix. Miragouane, mais Travis Scott, ok? Même si tu parles là, mais ça a son conseil qu'a fait dans mes tagues 28 millions de monde qui ont dans le conseil. Donc, imaginez-vous que monsieur charge chaque monde un dollar
It's 9 o'clock. 28 millions de dollars pour concert ça seulement. S'il charge 50 dollars même rentrer, il fait 1.4 milliard de dollars. Donc nous même cap prend idée, nous même cap garder Metaverse, ça c'est un exemple au concert. OK? Gon paquet l'autre exemple tout. Mais nous même petits jeunes qui se développeur. OK, nous cap prend idée sur ça de comment est-ce que nous capable par exemple gain ça relé real estate numérique, l'immobilier numérique, ça veut dire digital real estate. Côté que moun gen terrain, OK, ou ka acheter terrain, ou ka vendre caille dans monde virtuel. On paquet moun a dit mais ça next va parler là, pas next on paquet moun fou yo, il a parlé non paquet ba qui va exister. Ba existe déjà oui, même tout monde nous concert Travis Scott là. OK, qui en dans concert et puis moun a danser Travis Scott. Ça veut dire que yo ka danser T-Vice, yo ka danser et comment est le dernier jazz rap maintenant? Ah, notre jeune d'a parlé avec Tigui, monsieur dit mon jazz rap maintenant là dans ma ami. Kadi comment Cadillac? Comment est le jazz là encore? Bon, bref. C'est pour me dire nous tout que ça n'a vivre là son bail qui existe aujourd'hui. Donc moi même mandé nous, OK, développeur nous même qui cap fait développement, OK. Nous même cap développer jouette parce que on paquet développeur en Haïti. By the way, Alan, et nous cap gagne une statistique qui montre que tout le monde qui t'a dit que bail crypto son nèg pas loin faire crypto, il va connait ça crypto. Et regarde les statistiques là, une statistique qui fait sorti là pour montrer que Haïti c'est numéro un pays dans Caraïbes blanc. OK, cap qui dans échange de crypto monnaie. OK. Numéro 1. Donc ça veut dire que nous tout cap garder choix là, nous même nous une communauté qui gagne en pile potentiel là-dedans. Donc crypto monnaie Haïti numéro 1. Il y a plus que 100 combien 1000 monde en Haïti qui a servi à crypto monnaie. Donc pour capable et mettre statistiques ça. OK. Qui sorti dans Loop News qui bail nouvelle là. Donc ça veut dire que nous déjà non monde crypto on a besoin crypto a n'a besoin NFT a OK en dans metaverse là OK nous dans metaverse déjà seul bagaille comment bon monde faire entrer dans metaverse là faut gon lunette OK ça aurait une lunette virtuelle et meni faut gon lunette comme ça debout et prix a baissé et on va arriver au moment côté que tout monde a besoin même genre téléphone on va arriver au moment que tout monde va gon lunette virtuelle comme ça. Et puis, en un linette, ça, on doit montrer en Chine, si vous voulez, ou monter sous muraille de Chine, ou al virer, ou bien sortir de là, ou descendre la ville, et puis, on pas de problème gang, passer Matissan, ou on pas passer Matissan dans le métavers, et pour arriver contre le bras, et puis sortir de là, ok, nous bral, et réalité alternative, ça, qui est le métavers là, les mêmes sont réalité, aujourd'hui. Donc, réalité ça moi veux que tout le monde comprenne bien et faire recherche sur lui parce que tout le monde a pas apprendre hein Alan Bayer a pas apprendre OK Patrick Gervais a pas apprendre Fritz a pas apprendre Naomi a pas apprendre nous tout a pas apprendre là parce que nous tout cap parler là OK nous connaît à 1% de qui ça pour ta vrai et monsieur Laurent, nous t'aimons, monsieur Alan, Fonti, ban mon explication, parce que nous, ouais, que li gen lunettely, as I would call it, but I'm sure. Give us a little explanation of it. Mais les c'est pas, you know. Donc, avec ça, ou quand rentrer dans le monde virtuel, là, et pour, ou tout bagay comme sou là, as in car la Chine, je l'aurais tant dit à l'heure. Donc quel que soit côté de vle aller am ka aller et puis avec lunette ça am ka ouais mais bah il a changé tout j'aime te dire est-ce que ou bon on remote control pour contrôler les pour immédiatement l'on mette là ou déjà entrer non espace que tu as choisi qui chambre pour entrer what's the key absolument alors de pour gagner on a des contrôles et qui permet de choisir quand on veut. Par exemple, moi-même, son nèg, moi-même, petit cinéma, pas vrai. Donc, l'ensemble qu'on a allé dans le cinéma, comme pas qu'à l'ensemble le cinéma impérial ou bien capitol ou mon bail de ce genre, mais ça, et puis, on rentre dans le cinéma, et c'est comme si je chita,
devant un écran géant et puis m'a regardé dans le cinéma, comme si mal dans le cinéma. Donc ça c'est une expérience pas personnelle. Mais bagaille là a changé tout. Par exemple, j'ai une bagaille que Facebook fait pas comme si nous connaît, il y a un nouveau lunette que yo fait pour intégrer avec mon Facebook là. Donc ça ça a son lot. Et qui a vu et le regarder ouais bah la gueule a changé. C'est pas gros bagaille là encore donc c'est alors tu as toutes lunettes yo. Mon cher, ça sont lunettes que Facebook fait avec Ray-Ban. Yeah. Ray-Ban, donc avec ça, m'ka filmé, m'ka prendre photo, m'ka fait toute qualité bagaille. Pendant une lunette mais dans là. T'as chargé. Et bon, faire cher ben. Et puis, alors, si on t'a préparé là pour nous regarder le show, elle dit comme ça que bon, bon, à soi, je vais lâcher mon lunette. Qui bon, mon n'a pas allé? Oh, ça, c'est pas qui est simple. Hein? Ou monter sur Amazon, ou commander. En une minute, là, on va commander avant et puis, on va recevoir demain. Demain. OK, et nous prenons dit lunette, mais ben, nous, what is the formal name of the VR? Non, par exemple, une bagaille qui a fait fureur pour nous, ou bien Oculus, qui c'est une, ou bien Samsung qui fait par là tout, mais Samsung est même lié avec, ou du moins, version Samsung lié avec mon téléphone. Et donc, il y a différents modèles. Ça, et si dernier, ça que je me démontre, c'était par Facebook là. Ça, lui même, ce n'est pas nécessairement pour mon virtuel là, mais c'est là où je vais aller. Et ça, son début, son premier pas que je fais. Pour commencer à intégrer Facebook particulièrement avec les lunettes là, mais son bagage qui va l'intégrer, vous trouverez les lunettes là. D'ailleurs, pour Microsoft qui est sorti avec une qui est le Microsoft HoloLens. HoloLens là, c'est exactement ça. Il fait intégration de monde réel et monde virtuel là. Côté aujourd'hui, on a parlé par exemple Oculus, mais ça me se montre dans la côté Laurent et le monde virtuel là ou uniquement le monde virtuel là, ça veut rentrer là-dedans et puis ou parler rien là pour le monde ça. Ça dit que Microsoft HoloLens lui-même il était objectif pas yo, c'était une sorte de merge de deux mondes là, monde virtuel là et monde réel là. Donc côté ou mettre lunettes là et puis pas subitement regarder pour ou paquet écran paraître devant ou qu'à travailler avec collaboration avec les gens de différents côtés. Donc, il y a différentes versions de métavers qui peuvent venir. Et je suis qu'il y a réfléchi à un pilote de bagaille. Donc, ça que nous connaissons, ça que nous pensons aujourd'hui, pas nécessairement ça qui est là. Je suis qu'il y a un million de bagaille qui peuvent venir. Et côté nous, ou pas même, ou pas dire quelque chose. Ça va se débattre. Pas même dormir réveillé, mais pourtant, nous voyons que des bagages que nous réfléchissons à 24, 25 ans, que nous avons aujourd'hui. Donc, ça va être baronné. Donc, nous allons être amazed. La technologie avancée. Nous avons quelques jeunes qui ont posé quelques questions pour nous, qui ont posé quelques questions sur WhatsApp. Et nous allons prendre une question. Et donc, Baron Siri Gérard a joué question yo que jeune yo qui sont qui Haïti yo parce que il y a des jeunes d'Elma Port-au-Prince il y a plusieurs qui posent des questions donc est-ce que ça ou les questions yo tout le monde monsieur Jeffrey Snerys bonsoir exprimiste pour la mode bonsoir docteur Naomi nous salue tout participant Facebook et Instagram qui déjà branché question pas moi c'est qui ça lié moi t'a rien mais connait qui ça met avec ça est-ce que son logiciel est-ce que son application ou mais est-ce que son nouveau bagage que cap gagne dans mon plan. Donc monsieur n'importe monde qui voulait bailler en concise et réponse parce que ici que l'a regardé là dans mon moment. Monsieur Charles. So metaverse is the internet that you could enter that you can experience. Instead of viewing the internet, you feel like you're in it. So you place yourself in it. Qui t'aime bien à tout ça pour vous.
Ça, Frizzy, là, c'est que Metaverse, là, c'est une nouvelle forme d'Internet. Ça veut dire Internet 3.0, Internet 3D. Côté coupable, garder, mais son Internet qui permet de rentrer là-dedans pour simuler des situations. On entre dans un monde virtuel, un monde digital. Où est-ce que vous allez? Excusez-moi. Alors, on va comme peut-être ajouter pour que le cas comprenne la différence là, c'est que longtemps, première version Internet là, c'était purement informationnel. Vous devez monter ou son website et pour rechercher une compagnie, vous avez une information, vous avez une côté de l'adresse libre, peut-être qui produit le vent. Deuxième version Internet là, c'est ça que nous là dans le jour d'hier, côté et ou un magasin en ligne, ou Amazon, mon qui a vendu produit et qui a démontré des bagages, ou qui a shop, ou qui a commandé un taxi, ou qui a fait réservation, l'hôtel, ligne aérienne, ainsi de suite. Et mais tout ça, on fait les naturellement. Et on vient passer qu'on a de faire sur computer, à faire sur appareil mobile, et qu'on a version 3.0, qu'on a, ou qui a rentré dans le site web là. Côté l'autre, on a le site web là. Et c'est sur le site web, sur le computer, sur le clavier, vous voyez, et on va rentrer en dans le site. Et on va interagir et on avec vos lunettes de ce genre, vous allez sur l'écran. Je vais continuer à vous explication. Bon, c'est très bon. Très bon. Bon, très bon. Kounia, on a l'autre question encore. Bonsoir, XPM, Laurent Salvador Lamotte. Bonsoir, docteur Naomi. Et bonsoir avec tout le monde qui toujours branché sur ça chaque mercredi qui c'est Innovation Zone sur Facebook, Twitter et Instagram. Question pas moi aujourd'hui. Hein? Dans mes connaissances, est-ce que Metaverse là, c'est une app de WhatsApp pour me communiquer plus rapide et plus facile avec tout le monde? Est-ce que Metaverse là, c'est un site qui a permis de download photos, vidéos, musique? Tout ça. En gros, dans mes faut parler de métavers là. Non pas aussi Pierre David. Merci. Merci ma réponse. Bon, Alan, ben c'est que est-ce que c'est son bonne question et ça a son question encore c'est faut regarder le descendre en base là pour expliquer à la base. OK, qui m'quoi qu'on expliquer différence là, mais m'quoi que est-ce que Metaverse là son nouveau appli, son WhatsApp, est-ce que son site web qu'on peut download? OK, comment pour entrer dans Metaverse là? Bon, pral bien la vini sous différentes formes, que ce soit un site web, que ce soit une application à bon liaison, mais on a besoin un bagage pour qu'à interfacer avec lui, d'où le regarder lunettes, type de lunettes ça yo, par exemple. Donc, il peut avoir une application d'elle, un programme d'elle qui a fonctionné pour permettre de rentrer là-dedans. Alors, si je suis un bagage qui est plus terre à terre, parce que nous avons regardé qui ça a fait avec Metaverse en tout cas, parce que nous parlons de conseils, on dit au monde qui prend le shopping. Je dis à vous, nos magasins ont besoin d'acheter un pantalon, une chemise, ou rentrer dans un magasin ou l'acheter. On dit si nous parlons de Haïti, quelques magasins d'a parlé là. Voilà, Accra Factory Outlet, Accra Department Store, pas connaît, un magasin qui vendra. Et ou besoin essayer au pantalon. Par exemple, avec ça, pas oublier, un bagage pour faire pour créer son nom avatar. Avatar là qui s'allie, son copie de tête ou c'est tête de manière digitale. OK, donc ou a créé une forme de tête qui semblait avoir son même qui prend le monde digital là. Donc l'homme met lunettes là, c'est quasiment ou même qui vient paraître en version digitale le site que tu as rentré là-dedans. Donc ou rentre dans le site ça aujourd'hui et kounya ou a rentré dans un magasin. On dit que kounya on va rentrer dans un magasin Target ou bien Macy's ou magasin qui l'autre bois par exemple. Et qui les mêmes garantissent après entrer dans le métavers là tout. Donc, vous pouvez rentrer dans le Macy's, dans le Target ou Walmart ou ça là. Et puis, vous pouvez regarder un pantalon que vous avez acheté ou chemise que vous avez acheté. Donc, vous pouvez actuellement prendre chemise de manière digitale ou pantalon ça ou essayer sur avatar. Parce que avatar ou représente tête. Ou essayer ou garder tête ou la miroir comme si vous mettez pantalon sur ou est-ce le bon. Si size là bon
Et quand on fait qu'on voit que le bon bout, ou un bel garçon, ou une belle dame, ou bien campé avec la place, ou placé comme un. Donc c'est là côté mon métavers, là, mon réalité virtuelle, ça, pour aller rentrer, pour faire corrélation avec mon réel, nous, pas vrai? Donc, ou pour aller essayer de sauver, ou commander, et puis demain matin, il y a un livre, il y a la carte, n'importe où. Ou bien essayer, ou déjà comme ça, l'assemblée. Donc, ça, c'est un exemple de avatar. Je regarde un bagage sur l'écran pour toi montrer shopping et au monde qui l'ont au supermarché. Même bagage là. Ou à la place, aller ou à visiter le supermarché là, sans pas déplacer de la caillou et pour acheter tout, soit acheter lait, pain, jus, whatever ça lié. Ou commander, ou mettre le shopping cart ou aller ou manger. Et puis, demain matin, ou bien pital en une heure, ou bien livre. Le papa tout la caillou, par en virtuel. Réel. Donc, c'est pour avoir une corrélation des deux, du monde virtuel et du monde réel. C'est ça qui a privé là. Bon, monsieur, nous parlons de tout positif que nous parlons expérience avec Metaverse. D'ailleurs, nous avons deux, trois négatives que nous connaissons exister dans tout bagage que nous attendons que nous parlons expérience ça. Yeah. Well, I could start with that, you know, especially, you know, I go on the Oculus and I've seen the experience. One thing I think the fear is, because I also have children, is that you fear that this digital life becomes your whole life. I think that's probably going to be the scariest thing that as a parent that you'll have to worry about, or just anybody, that you get lost. I guess you would say lost in the matrix. Patrice, il y a un problème que je pense que est négatif pour quelqu'un, spécialement pour tout le monde qui vient de Simon, c'est que Simon n'a pas si tellement entré dans la vie digitale là que lui pense que c'est réalité liée et lui pas vraiment comprendre la différence entre le virtual et la réalité. Ça, c'est une bagaille que Patrice, comme un parent ou un papa, que lui a un sens négatif là-dedans. Is there another one, Patrice? You know, I would probably say that's the main one for me for now is you know, getting lost in the digital world, because then, you know, you may never leave your room. You're just gonna stay on the headset. So, you know, it's trying to have that conversation, especially us being older. We know what it is living without virtual reality. Now we have access to it. To everyone who's growing up on virtual reality, that's going to be, how do we, you know, there's probably going to be psychology classes about this. So we're entering new territory. Donc, Patrice, on sait que son nouveau territoire lié pour nous assurer que nous et balancer bagayo pour nous montrer si nous avons deux différences, parce que nous-mêmes, comme adultes, nous connaissons the reality, the real world, parce que nous connaissons. Et maintenant qu'on y a là, nous allons bien expérience avec le virtual one. Mais nous connaissons qui différence là. Les teams n'ont vraiment pas connu différence là. The world de la plus placée, c'est le digital là que tout le monde qui entoure la palette. Les gens parlent une bonne responsabilité pour nous assurer que tout le monde est en balance. Et puis? Yeah, I would say that. We hope that this is not going to increase the digital divide. And what I mean by that is it's expensive to experience the metaverse right now. I have, you know, Ray-Ban glasses that Mr. Bayard has. You have to have Oculus. If you need strong internet. And so, you know, for people that don't have access to those things, it's very, very difficult. Of course, you know, Alan is making sure that Haiti is not left behind through Access Haiti, making sure that we, the Haitian people have broadband to access VR, but that's not going to be the place. That's not going to be the case for everybody, and everybody can't afford that. And so when I think about the mobile internet, it wasn't until we had these very affordable Android phones that the whole world was able to access Instagram and Facebook and Google and YouTube and kind of have the same exact experience. So both me and somebody in Botswana could talk by WhatsApp. And so we need to make sure that we
build the technology in a way that is accessible and affordable for everybody. Donc, Fred, tu penses que y a un problème que qui est présenté dans le moment ça que pour un monde entrer dans le metaverse là, pour une minute que nous sommes pas là, tu parles de lui et ça coûte. Pas vrai, c'est donc c'est pas tout le monde qui a moyen pour acheter une lunette. So, lui souhaiter ça pas créer une division, pas vrai, entre monde qui est capable et monde qui pas de moyen pour acheter tout yo pour entrer dans le metaverse là. Il souhaitait que il va créer un genre que ça va possible pour tout le monde. Et il n'est pas coûté en pile pour acheter une nature, pour entrer dans le metaverse là. Et puis, Monsieur Alain, what are some of the negative, what are some of the things that you are concerned about avec metaverse là? Bon, il y a une bagaille qui peut concerner mieux et par rapport à WorldPAM dans le secteur ça, c'est pour l'aspect connectivité. Et Jean-Fritz Paléa, et nous voulons assurer que nous pas créer une barrière, une sorte de barrière, que pas une barrière d'entrée, côté un peu le monde pas qu'à rentrer là-dedans à cause de coûts. Et nous pensons même avant ça, qu'on sait de problèmes, de l'autre type de problèmes qui pour résoudre, d'un coup parti connectivité à pour commencer. Et récemment, nous avons rencontré avec le gouverneur de la Banque Centrale, là, et côté nous parler, et nous avons rencontré. Et l'on show qui t'a fait justement avec développeurs caribéens. Et nous parlons, nous avons une conversation téléphonique encore l'autre jour. Côté, nous parlons de nécessité de gagner un backbone national, mais qui est un peu différent. On connaît 85% du pays d'Haïti. Et c'est. Haïti sont îles. Donc 85% dans la ville à côté de la côte. Donc, nous besoin, Haïti besoin, ça me relève un backbone sous-marin, un backbone qui passe par la mer, pour relier toute ville ça, qui allait autour du pays. Il est extrêmement important pour que pays connecté, que toute ville connecte même gens, que ce n'est pas Port-au-Prince qui a meilleur accès que le nord, le sud et différents côtés. Faut que pays a bien connecté et pour moi seule solution à pour adresser problème ça c'est créer un backbone sous-marin pour relier toute ville pays à travers la mer. OK, donc on a parlé de relier et Jacmel rivière au Caï par rivière les Siwa traverser sous Port-au-Prince monter rivière juste bon, on a mis à la liberté en passant par Port de Paix à Mol Saint-Nicolas, qui est le même côté qui est pratiquement, on va dire, dépaysé. Ils ont un bel côté, mais malheureusement, qui n'ont pas une bonne connectivité. Donc, ça, c'est un problème qui est pour adresser. Et je pense que en tant que nation, nous devons être nous ça pour bailler tous différents côtés de pays, type d'accès à qui pourrait permettre nous connecté à métaverse. Sinon, c'est pour les petits groupes qui ont des types d'accès à ça et ça va créer encore un gap qui est encore plus énorme que nous voulons éviter à tout prix. Donc, ça, c'est le premier problème que je pense qui est pour adresser. Mais son bagage qui est pour adresser de manière nationale parce que son bagage national est lié. Ce n'est pas qu'à l'affaire de quelques-uns. Deuxième problème que moi-même, c'est par rapport à, par exemple, ça, et Patrice t'a parlé tout à l'heure, et à faire que moun pral tellement connecté que yo pas qu'à faire différenciation entre le monde virtuel et le monde réel. Nous tous qui là, nous suivons un peu là, nous qui gagnons un iPhone, pas vrai? Oui ou non? Bien okay. Sûr, bien sûr. Pour ça bien iPhone yo, m'invitez-nous à regarder aller sur la settings nous. Quand si bagaille qui relé screen time. Est-ce que nous au courant de bagaille ça? Oui. OK. Oui. Donc aller dans screen time là,
et font ti garder pour combien de temps que nous chaque là nous fait en moyenne par jour sur téléphone. L'homme garde moi-même, moi gain en moyenne de 5h27 minutes par jour sur téléphone moi. Aujourd'hui seulement il y a à peu près 7h25 minutes. Bon, femme dit nous me lever depuis 4h du matin, mais entre 4h du matin à 9h25, imaginons que j'ai 7h25 minutes sur téléphone. Et ça pas même côté temps que me fait sur computer. Donc tout ça pour dire que nous pouvons même rentrer dans le monde virtuel nous, garder nous gain temps brancher sur téléphone nous. Donc imaginons là nous pour rentrer dans le monde virtuel ça, comment temps va passer sur nous, on pas même réaliser. Donc faut que nous fassions bien attention pour créer balance ça. Et l'autre jour, m'a appris une histoire, actuellement ça a plus que un an, ça m'a appris une histoire de un couple en Corée qui tellement rentré justement dans le type de bagaille univers métavers ça yo. Son un couple yo vinn rencontrer dans c'est des gamers que yo t'est rentré y a là yo connaît et communauté asiatique ça yo rené by gaming ça yo en pile. Yo t'est rentré là yo vinn rencontrer l'on sorte de pas de sorte de cybercafé mais pour jouer pour gamer et yo rentré dans monde ça et puis c'était une sorte de monde virtuel. Donc c'est là yo vinn rencontrer, c'est là yo vinn rené et ben là rené yo font ti monde. Et puis, il y a tellement remé bagay ça, que, ou là, yon fait combien de jours, en de, bah, ça, on l'ouvre 24 sur 24, yon fait combien de jours en de, yon te gonti moun, yon plié ti moun dans la caille. Ok? Yon end up arrêté ou ça, donc, pour dire à qui point, c'est des bagay qui sont addictifs. Yes, ami! Donc, on va l'oublier, je veux comment pour me faire la balance des choses. D'après, j'ai Patrice Dia, d'après, il est uncharted territory. Nous va nous pas arrêter en pile temps dans 5e épisode là, nous va rentrer dans question. Et donc question ça c'est Farah Dia Charles qui pose li et toujours mettez de côté nous hier là n'a posé question yo. Farah Dia mandé qui ça la différence entre un metaverse et puis un hyperverse. Et n'a prend nous va prendre deux autres questions encore parce que nous va arrêter en pile temps. So peut-être et Fritz vous voulez répondre question ça. What's the difference between hyperverse? Yeah, so metaverse is the entire sector, and hyperverse is a type of metaverse. And actually, this is one type of hyperverse. And hyperverse actually has a cryptocurrency behind it. The ticker is HVT. If you want to invest. Okay, so metaverse là c'est système là en gros et hyperverse c'est une partie de système là en donné qui gagne yon monnaie crypto d'elle, c'est ça? Oui. OK, puis moi gen plusieurs moun qui mandé et yo vle konnen et pour aller dire combien cob et lunette van how much was it? C'est tout on a demandé. Patrice, vous pouvez acheter pour vous après par l'Oculus. Qui est l'Oculus là d'écouter? Well, the Oculus is on $199. It depends on how much memory you want. They have two versions. So so there's two price points, but the basic price is $199. Okay. $199 lunette là. Il y a différents mémoires, mais $199. Mais son bagage qui va descendre, ou faut que bagage ça vienne pour l'autre niveau. Même dans téléphone, nous sommes avant. Nous sommes gros téléphone satellite. Gros téléphone satellite, chaque téléphone te coûte n'importe $1000. Kounyo a pas pour $5 pour $10. Ça veut dire que c'est là nous arriver. Kounyo là, ou tout le monde a marché avec lunettes Oculus dans yeux. Tout le monde se met à faire. Gardez nous on l'autre question encore parce que nous va arrêter en pile temps. Et Sena William, et ou ka acheté stock de Facebook qui est le Meta, ça c'est pour Zami nou, Fritz Charles. Et ensuite, monsieur dit la BCH, l'autre compagnie qui investit dans la technologie, ça. Donc, qui l'autre compagnie qui est capable? Bien entendu, ça c'est bon, chaud. Cabral dit moun qui stock pour acheter à l'heure, mais moun
Mais Fritz Charles, so dit, achète ton stock et puis t'as les stocks là, baisser, puis mon yal courir des Fritz. Donc, I'll give one, I'll let everybody else try. Microsoft is big because they own Xbox. They just bought a big gaming studio, so Microsoft is another stock that you could look at. This is Patrice speaking. Obviously this is not financial advice, but one of the main chip makers for the metaverse is Nvidia. So feel free to look at your own research and take a look, but Nvidia is making the actual chip for the metaverse. So something to consider. Et nous voulons confirmer que tout monsieur dit c'est pas et pas financial advice. Yeah, this is not financial advice. Yeah. Éducation il y a fait pour nous même côté information ou même pour aller faire recherche nous. Exactly. Nous gagnons un petit poster tout nous demander régie à s'il capable poster lui et son exemple de diversification de metaverse là, OK, de crypto de portefeuille crypto yo que nous capable poster. Ouais. Et Skylight Films a dit nous pas rien temps encore. So, si nous avons posté ça, sans que ce n'est pas conseil lié, mais c'est pour nous donner un exemple de qui gens des professionnels diversifiés portefeuille. Et donc, par contre, si nous avons posté sur région, nous avons posté sur écran. En attendant, nous continuons avec l'autre question. Nous avons une autre question encore. Qui gens, mais t'es l'autre de quoi? Qui gens au monde qui a investi dans Metaverse? We mentioned some of the stocks. Again, no financial advice. But the currency or the economy of the Metaverse is crypto. So there's some crypto platforms that people could explore. So there's Ethereum, there's Solana, there's Decentraland, there's Mana. These are some cryptocurrencies that people can explore. Again, this is not advice, you should do your own research. And of course, Bitcoin, the father. Of course. Donc, m'pense que là, nous faisons le tour et de questions. Nous répondons en pile question que moun pose sur Facebook, sur YouTube, mais ça, c'est un exemple et de un portefeuille qui diversifie. Donc là yo dit que go nèg yo sou à gauche là gen Mana Sen avec AXS ça c'est donc si moun gen 100 par exemple si moun gen 1000 dollars mais comment que moun sa c'est pas nous même k'ap di non c'est site là di afèl OK Mana Sen avec AXS baron si panel sur d'accord ensuite dans Alcon jour ou gen MBS Sidus avec Dow OK. Ensuite, dans le studio, qui est important parce que c'est le studio qui a monté toute belle image ça, que nous avons là de Travis Scott. Bah, ça, donc, nous avons PYL, Gala avec GGG. OK? Et dans NFT, parce que NFT est super important dans ce qu'on a dit là. Nous avons ALUWAXP et puis ENG. Ça, c'est dans Coins Capture que nous avons une recommandation. Ce n'est pas Innovation Zone qui a eu. C'est l'inouliou nous-mêmes. Donc, ça, c'est des exemples de un portefeuille diversifié qui investit dans un portefeuille metaverse. OK? Donc, si vous regardez bien, vous pas mettre tout investissement non seul panier, mais vous avez plusieurs paniers, plusieurs compagnies qui ont investi dans le domaine. Et mes compagnies, c'est eux-mêmes qui ont mis en dans question. Donc, ça, c'est un exemple que nous baillons, qui pour mettre nous ça. Mais m'a profité et y a fait signe que le temps nous fait la guerre, nous pas rien temps encore. Donc m'a remercier tout paneliste là qui prend temps pour ba information. M'a remercier Fritz qui toujours là, toujours disponible, qui a réfléchi, OK, qui a ba bon genre information dans bon genre timamite, OK, pour peuple la comprendre. OK, m'a remercier Alan Gounia là. Okay, m'da souhaiter que que ou gen quelques lunettes parce que moun bèl bla yu sou la wa. Avon lunet non. Donc c'est futur lan sa. M remercie Access Haiti. OK, ka fon travail phénoménal nan peyi a ba moun internet parce que sans internet ou pa ka dan metaverse.
Donc c'est lui même qui route là pour arriver dans métavers là. OK, donc sans ça on va dans métavers. Moi merci Patrice Gervais, OK, pour contribution et n'a bien pour n'invite ni ou même ni Alan encore parce que Fritz même avec Naomi c'est des fixes nous. OK. Et Naomi moi merci ou moi merci Skylight Films, moi merci tout le monde qui t'a broadcast nous là, Carl, OK, moi merci Guinée. OK, qui a prêt à se mettre en direct là. Donc Radio Télé Guinée, moi merci Tributaire Lacaille. OK, moi merci toute équipe qui a fait retransmission parce que à soir noté sur n'importe 25 l'autre nouveau cross post Facebook. OK, et moi rappeler nous pour nous enregistrer nous dans site dans page YouTube là Innovation Zone. OK, pour nous capable suivre prochaine émission mercredi soir rendez-vous en cassé 8h30. OK, n'a kembe thème nan on surprise. OK, mais nous pral parler de technologie quand même. OK, pour nous ka mieux comprendre. Nous pral annoncer nan on poste que nous pral faire lundi, hein, lundi prochain n'a konn ki sa thème nan. OK, moi men nou en pile kembe là et puis à la prochaine. Merci en pile tout le monde. Merci en pile. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Bye everyone. Until next time. Until next time. Until next time. Thank you. There you go. Yes.